Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport. Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ? Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain. Vous seriez dispo ? On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge ? Il y a un jour. La vache. Bonjour Théo, je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Faut continuer à bien boire, tu sais, hein, pour prendre du poids. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec.